J'ai découvert le sens de la vie, ou du moins c'est ce que mes clients les plus enthousiastes sont amenés à croire. Voyez-vous, deux ou trois fois par mois, je publie une annonce intitulée « Le sens de la vie » sur divers sites d'enchères. J'y associe une photo d'un coucher de soleil ou d'un arc-en-ciel et j'y ajoute une description disant sobrement « Tous les points de vue sont subjectifs ». Les résultats peuvent donc varier d'une personne à une autre. La plupart des gens ne sourciraient pas devant quelque chose aussi ridicule. Mais il y a des individus plus crédules que les autres, qui mordent à l'hameçon. Lorsque les enchères se terminent, je ramène généralement entre 5 et 12 dollars. Une fois mon argent reçu via PayPal, j'expédie l'article. Quel est celui-ci, me demanderez-vous? Eh bien, je griffonne une simple citation réconfortante ou une leçon de vie trouvée sur le net, sur un morceau de papier. Et je l'envoie dans une enveloppe standard. Ces phrases proviennent généralement d'écrivains célèbres, de personnages historiques ou même de la Bible. En voilà quelques-unes. Si la lumière est dans ton cœur, tu trouveras le chemin de ta maison. Jalal Eldin Rumi. Les gens oublieront ce que vous avez dit. Les gens oublieront ce que vous avez fait. Mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Maya Angelou. Il n'est jamais trop tard pour être ce que vous auriez voulu être. George Eliot. Voilà tout ce que j'ai à faire. Un timbre, une enveloppe dans une boîte aux lettres. Et mon travail est terminé. C'est aussi facile que ça. Vous pourriez me traiter d'arnaqueuse ou d'escroc. Et en réalité, vous auriez raison. Je profite de la naïveté des gens qui cherchent à donner un sens à leur vie. Tout ça pour me faire de l'argent facile. Mais j'aime à penser que la plupart de ces personnes savent que c'est des conneries et achètent mon mystérieux article juste pour voir ce que je leur envoie. En plus, je suis une célibataire tout juste sortie de l'université. Alors, tant que je pourrais faire une petite pause dans mes factures et manger, je dormirai très bien. Comme vous pouvez vous en douter, je reçois beaucoup de messages haineux. J'ai appris à ignorer les mails et les messages privés des personnes colériques. Dès que je vois que ça provient d'un de mes clients, c'est supprimé. Je reçois cependant de temps en temps des courriers. C'est inévitable. Ma boîte postale est indiquée sur toutes les enveloppes que j'envoie. Ce serait facile pour moi de jeter les lettres à la poubelle. De la même façon que je jette les mails indésirables. Mais je n'arrive jamais à le faire. Quelque chose dans le fait de recevoir des lettres physiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, me donne l'impression d'être obligée de les ouvrir. Je pense que toute personne qui prend le temps d'en écrire une mérite de se faire lire, même si je ne me soucie pas de ce qu'elle a à dire. Et plus je reçois de lettres, plus ça m'amuse. Pour mieux me comprendre, voici quelques-uns de mes extraits favoris tirés de courriers de fans que j'ai reçus au fil des ans. Vous n'êtes rien d'autre qu'un espèce de service de biscuits chinois glorifié. Vous allez pourrir en enfer pour les péchés que vous avez commis. Notez bien les mots que je vous donne. Tu es une vraie petite merde, tu le sais ça? La lecture de ces lettres est devenue l'un des moments les plus exaltants de ma semaine. J'ai même accroché les meilleurs dans ma chambre, sur un tableau en liège. Vous pouvez penser que c'est malsain et que je suis un peu dérangée, mais moi je trouve ça hilarant. Après, toutes celles que je reçois ne sont pas malveillantes. Il y a un type qui s'appelle Red. Il n'y a pas de nom de famille. Red est tout ce qu'il y a d'indiqué au-dessus de son adresse. Il m'écrit constamment. Il m'envoie des citations inspirantes en échange de celles que je lui vends. Je suppose que c'est un acheteur régulier qui aime payer pour recevoir de temps en temps des messages joyeux et encourageants dans sa boîte aux lettres. C'est un homme de goût, le genre de client que j'aime. La première citation que Red m'a envoyée était « La peur de l'homme découle de la peur de la vie. Un homme qui vit pleinement et prêt à mourir à tout instant. » Mark Twain. Ce fut une première impression formidable, car Mark Twain est l'un de mes auteurs préférés. La citation de retour a donc été appréciée. C'est pour ça que je l'ai accrochée à côté des lettres haineuses, sur mon tableau en liège. Malheureusement, certaines des phrases que Red m'envoie ne sont pas sur le tableau. Certaines de ses citations sont morbides et déprimantes. Et parfois, il s'amuse à m'envoyer des petits colis contenant des bibelots inutiles. C'est un peu bizarre, mais je me dis que c'est un gars un peu déprimé et qu'il a juste besoin d'un ami. Peut-être que les citations qu'il m'achète sont les seules lettres qu'il attend dans sa boîte avec impatience chaque matin. Et peut-être que les objets qu'il m'envoie sont sa façon de me remercier. Pour moi, c'est une confirmation que ce que je fais n'est pas totalement sordide. Mais là, les choses deviennent vraiment bizarres. Aujourd'hui, j'ai reçu un autre courrier de Red. J'ai souri quand je l'ai récupéré. Regarder ces lettres et ces cadeaux, aussi bizarres soient-ils, est devenu un moment tout aussi agréable de ma semaine que la lecture des lettres haineuses. Mais à l'ouverture de cette enveloppe, mon sourire s'est évanoui. À l'intérieur se trouvait une photo de moi, prise par la fenêtre de ma chambre. Au dos de celle-ci, il y avait une autre phrase de la part de Red. « Tu as l'air d'être si seule. Où est passé le sens de ta vie ?»